Il a dit quoi? Le kilo de ça, ça partait de 12 000 francs. Tu comprends un peu? C'est quoi ça, Antala? C'est marijuana? Non, c'est pas la marijuana. Marijuana, comment? On te dit que c'est les feuilles de manioc. La marijuana, on ne peut pas planter ça ici comme ça. Tu veux qu'on m'attrape? C'est un militaire qui est au pouvoir. Ça, c'est les. On appelle ça on funuon. On pomme. Ça veut dire que salam, les mamans. Mais par rapport de quoi ça? J'ai dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le béret? Eh, attention! Voilà, c'est un plat spécifique pour nous ici au Gabon et ça coûte très cher. Et je suis détenteur d'au moins 12 hectares de ça. Est-ce que tu imagines un peu la richesse que ça peut faire? Donc moi, je te vois comme cette femme-là qui a le panier au dos, qui valorise la culture africaine, qui valorise les feuilles de manioc. Tu viens récolter ça et on fera d'argent. On ira vivre en Tunisie ensemble. Tu vois un peu ça, Mar? Je te promets que si jamais tu t'investis avec moi, tu ne vas jamais le regretter. Je suis une personne, je suis en même temps, je vais prendre les mots terre à terre. Je suis comme villageois, ça. Je suis citadien et je suis droit comme l'aiguille. Je n'aime oui, je n'aime, moi, tu veux quoi? Je ne veux pas te surcharger, je ne veux pas te mettre la pression. Je veux juste que tu me donnes une chance de te prouver que en tant que Gabonais, je peux aimer une femme tunisienne et faire ma vie avec toi. C'est pas un jeu, Antala. C'est pas un jeu. Voici pourquoi je prends un engagement, je te le jure.